Je crois que ça y est, nous sommes en direct dans le cadre du festival Effraction, en direct et sur le site d'Effraction et sur Facebook. Bonjour Camille Amoun. Bonjour Sarah, comment c'est allez-vous? Avec, mais très très bien, c'est avec vous que nous allons discuter un petit peu moins d'une heure autour de votre livre Octobre Liban, paru aux éditions Inculte, fin de l'année dernière, fin de l'année 2020, un récit qui raconte la révolution libanaise à l'automne 2019 à travers la déambulation du narrateur sur une rue qui fait environ 5 km de long, une des rues les plus importantes de Beyrouth. On y reviendra. Vous posez un regard ému sur les manifestants, un regard aussi très engagé parce que vous en êtes d'une certaine manière, un regard désolé aussi sur ce qui est devenu Beyrouth à travers la rue et la ville. Il y a aussi de la colère dans ce livre, il y a de l'espoir aussi grâce à cette révolution, l'espoir qu'il est possible peut-être de réinventer le pays. Ce texte très court de moins de 90 pages nous montre les réalités du Liban entre corruption, dont vous parlez beaucoup, crise multiple, et la dernière étant la crise sanitaire dont on reviendra, sur laquelle on reviendra, et qui d'ailleurs finit le livre, et puis l'effondrement dont on parlera aussi. Mais juste avant d'aborder les grandes questions qui vous traversent depuis quelques années maintenant, comme vous êtes, et crise oblige chez vous à Beyrouth, au Liban, peut-être me dire ce que vous voyez par votre fenêtre et comment, quelle est l'humeur, l'ambiance dans les rues et dans la ville Beyrouth. Alors, bonjour Sarah, merci pour cette petite introduction. De ma fenêtre, je vois les toits de Beyrouth et sur ces toits, je vois des cheminées métalliques qui sont les cheminées des générateurs privés qui répondent à l'absence du service public, de l'électricité publique au Liban et qui pollue l'air d'une manière terrible. Donc, c'est ce que je vois de mon balcon. Je suis parfois obligé de fermer la fenêtre tellement la fumée des générateurs au diesel est forte. Mais je vois aussi les contreforts du Mont Liban qui sont grignotés par le béton. Et je vois à droite, vers le sud, la mer après l'aéroport. Les rues de Beyrouth aujourd'hui sont un peu tristes parce que, bon, à cause du confinement, mais pas seulement, pour beaucoup d'autres raisons sur lesquelles peut-être on reviendra, la crise financière, la crise économique, la crise politique. Et finalement, vous avez évoqué la crise sanitaire. La crise sanitaire n'est venue que s'ajouter sur une série de catastrophes que le Liban est en train de traverser. Je suis tenté de dire depuis un an et demi, mais en fait, ce scénario est écrit depuis bien plus longtemps et on n'en voit pas la sortie, on essaye, il y a des tentatives en permanence. Mais bon, là, on en est là et on attend peut-être que quelque chose se passe, que le confinement se défasse, que la pandémie s'arrête pour que la contestation reprenne. D'une manière ou d'une autre, ou la construction d'une alternance politique, parce que finalement, c'est la seule chose qui pourra faire sortir le Liban de la situation dans laquelle il est. Vous venez, en quelques mots, finalement, de dire les mêmes inquiétudes que l'on lit dans ce livre « Octobre Liban », Camille Amoun, mais qui dit beaucoup plus de choses que ça. Vous avez choisi de parler de cette révolution à travers la déambulation, comme je disais, dans une rue, cette rue de Tripoli,
à l'origine qui s'appelait rue de Tripoli, mais qui aujourd'hui porte trois noms, vous me le direz, qui fait un tout petit peu moins de 5 km, 4 km 600 précisément, qui au départ était une rue qu'empruntaient les habitants de Beyrouth pour aller vers Tripoli. Cette rue, on la parcourt avec, alors je dis avec vous, mais le narrateur, on verra où vous êtes dans cette histoire, mais en tout cas, on la parcourt avec le narrateur, et elle est emblématique de presque toute l'histoire du Liban, parce que elle traverse ces différents quartiers, sur ces kilomètres, on voit la diversité, on voit la pauvreté, mais aussi la richesse d'un autre côté, on voit les changements qui ont eu lieu, changements d'architecture, les destructions, les constructions qui ont été au fil des années liées et à la guerre civile, mais aussi à la corruption qu'on lit aussi dans cette rue et dans toute la ville. Et à travers cette rue, c'est aussi la révolution, parce que la révolution va s'inviter aussi dans cette longue rue, une des rues, je le disais, les plus longues et les plus importantes de Beyrouth. Qu'est-ce que vous avez au départ voulu faire avec ce livre, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. Vous dites lire la ville, vous parlez de la rue comme un texte, comme une phrase, et vous dites aussi avoir envie d'écrire la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors effectivement, pour moi, la ville est un texte, c'est un texte urbain. Et ce que j'essaye de faire dans mon travail d'écriture, c'est de transformer ce texte urbain en texte littéraire. Quand j'ai commencé à écrire ce qui devait être un texte sur la Révolution, j'ai décidé de l'écrire en marchant dans une rue. Et j'ai choisi cette rue parce que c'est une rue que je connais. C'est une rue qui, effectivement, comme vous l'avez dit, traverse des quartiers très différents les uns des autres. Et surtout, c'est une rue, et ça, je l'ai réalisé en l'écrivant, ça a été comme une révélation. C'est une rue qui raconte, à travers une série d'étapes, la manière brillante avec laquelle la classe politique actuelle ou par laquelle la classe politique actuelle est arrivée à construire un système qui a conduit le Liban à sa perte. Donc, juste pour commencer par deux étapes, la première et la dernière, puisque je commence à marcher de la périphérie vers le centre. La première étape, c'est une décharge de déchets, une immense décharge qui a déformé le littoral beyrouthain et qui est le résultat de la crise des déchets de 2015, sans rentrer dans les détails. Crise des déchets qui est une des conséquences de la corruption du système. Donc, la rue commence par cette décharge. Et puis, après toute une série d'étapes, elle se termine en plein centre-ville devant le siège du gouvernement qui est perché sur une colline. Et donc, la rue s'arrête face à ce gouvernement et la révolution s'arrête face à ce gouvernement dont elle n'arrive pas à se défaire. Et donc, la rue physiquement s'arrête devant ce gouvernement, mais elle informe aussi la forme de la révolution, la forme de la ville informe la forme de la révolution, et les deux butent sur cette colline au sommet de laquelle il y a le gouvernement. Donc la décharge et le gouvernement sont les deux étapes qui bornent cette rue, et il y en a toute une série tout le long avec des digressions. On s'éloigne un peu vers le sud ou vers le nord, et à travers toutes ces étapes on peut comprendre toutes les facettes du brillant système de corruption qui a conduit le pays à sa perte. Vous dites, aujourd'hui, à la lumière de la révolution libanaise, c'est un texte bien différent que je lis en l'arpentant. Il faut dire que cette rue, vous l'avez connue quand vous étiez jeune, que vous êtes partie vivre et en France et à Dubaï pendant quelques années, que vous êtes revenue. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est quand vous revenez en 2018, que vous vous rendez compte que ce que vous lisez a changé? Qu'est-ce qui se passe pour que vous dites ça et que vous voyez ce texte différemment? Alors non, en fait, je suis revenue, donc évidemment, effectivement, je suis partie du Liban à la fin des années 90 et je suis revenue en 2018, donc après 20 ans d'expatriation. Non, en 2018, quand je suis revenue, je n'avais pas encore lu cette phrase
Je n'avais pas encore cette lecture de cette, j'ai dit cette phrase, mais cette rue. Je n'avais pas encore eu cette lecture de cette rue. Je n'ai eu cette lecture de cette rue que quand j'ai commencé à l'écrire. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie du processus d'écriture, en tout cas en ce qui me concerne. C'est que quand je commence à écrire sur un objet ou sur un lieu, en l'écrivant, je développe une nouvelle lecture et qui me surprend moi-même. Ça s'est reproduit quand j'ai commencé à écrire ce texte sur la Révolution à travers le prisme de cette rue. Ça s'est produit aussi quand j'ai écrit des textes sur d'autres lieux, d'autres villes, on en parlera peut-être. La lecture de ces lieux, de ces villes change, ma lecture de ces lieux et de ces villes change pendant que je les écris, pendant que j'écris ces textes. Mmh. Un aller-retour finalement entre le texte de la ville et le texte que vous écrivez. Est-ce que c'est la même chose lire et écrire finalement ? Parce que vous la lisez, cette ville, puis vous l'écrivez, vous comprenez ? Et je me disais finalement, il y a quelque chose qui se répond dans ce processus. Oui, mais c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est la manière dont le texte urbain et le texte littéraire se répondent et se modifient l'un l'autre mutuellement. Maintenant, est-ce que lire et écrire, c'est la même chose ? Je crois que c'est une grande question de littérature à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais effectivement, quand on lit un texte et si deux personnes le lisent différemment à cause de tout ce qui n'est pas dit, tous les non-dits et tous les vides qu'on remplit en tant que lecteur, évidemment, le lecteur est partenaire de l'auteur et donc il l'écrit en lisant. De même, la ville, quand on marche dans une ville, quand on pratique une ville, même quand on ne la connaît pas, même quand on est un visiteur, même quand on n'en est pas un habitant, en la pratiquant, on la change, on la modifie et on la lit, on la découvre en même temps. Donc, je crois que ce qui vaut pour le texte littéraire vaut aussi pour le texte urbain. Il y a tout un processus d'aller-retour, lecture-écriture, et c'est cette transformation mutuelle qui m'intéresse. Ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est la présence des gens, et je dis bien des gens, et on expliquera tout à l'heure le fait que vous préfériez dire gens plutôt que peuple, par exemple, parce que les gens, c'est des entités toutes différentes, et une ville n'existe pas sans les gens, parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est finalement retrouver l'âme d'une ville, et c'est ce que Beyrouth avait perdu avant la Révolution, parce que ce que vous nous dites, c'est que ce qui change, c'est le jour où les gens se réapproprient la ville, où sortent dans la rue, écrivent des slogans, vous les citez, vous les écrivez d'ailleurs, les slogans qu'on retrouve sur les murs des immeubles. C'est ce moment-là qui est important, c'est quand les gens ressortent, reprennent la rue, reprennent possession d'une ville qu'on leur avait empêchée finalement, qu'on leur avait confisquée d'une certaine manière. Alors oui, mais la partie de Beyrouth qui avait perdu son âme avant la Révolution et qui, d'une certaine manière, aujourd'hui, malheureusement, l'a reperdue, c'est le centre-ville de Beyrouth qui a été reconstruit après la guerre de 75-90 par une société foncière. Le reste de la ville reste un palimpseste très riche, un palimpseste urbain très riche, avec des strates, avec des gens qui le pratiquent, qui le vivent au quotidien, qui le transforment au quotidien par la création artistique, par la pratique urbaine, etc. Et ce qui est intéressant dans cette rue, c'est qu'il y a une césure claire à un moment donné où on passe de la ville, qui est à l'extérieur du centre-ville, au centre-ville qui est, d'une certaine manière, une non-ville, parce que, justement, les gens n'y sont plus. Et pendant la Révolution, quand les gens se sont réaccaparés, sont revenus dans ces quartiers du centre, ils en ont changé la couleur, ils en ont changé l'histoire, on a senti la vie, il y avait de nouveau de la vie, il y avait des stands qui vendaient des livres d'occasion, il y avait des gens qui se promenaient, des gens de toutes sortes, de toutes les régions du pays, de tous les quartiers de Beyrouth, qui se retrouvaient là pour manifester leur colère, mais aussi parfois simplement pour se rencontrer, pour passer un moment, et c'est ça. Et moi, j'ai souhaité très fort pendant ces quelques mois qu'a duré la partie la plus, disons, festive, comme je dis, dans les livres de cette révolution, que ça dure et que ce centre reste urbain, reste ouvert au public et que les gens continuent à venir se retrouver dans ce centre pour avoir des activités diverses et variées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour toute une série de raisons. Mais oui, donc c'est le centre-ville qui a été déserté par ses habitants
suite à sa reconstruction qui a échoué. C'est clairement un échec, un modèle d'échec de reconstruction, le centre-ville de Beyrouth, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un hypercentre qui a été complètement muséifié, donc c'est le noyau dur qui a été reconstruit à l'identique et qui a été donc muséifié, et le reste des quartiers autour, ou une grande partie d'entre eux en tout cas, même s'ils étaient très amochés après la guerre de 75-90, au lieu d'être réhabilités, ont été complètement rasés. Restons sur ce centre, effectivement, ce centre de Beyrouth, ce centre balade, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, de l'âge d'or. Finalement, c'est un centre que vous n'avez pas connu, qui a été détruit par la guerre quasiment l'année de votre naissance, et vous le disiez, qui a été reconstruit, qui est devenu une périphérie à cause de ce système foncier privé, hein, et qui finalement... Qu'est-ce que vous avez à ce moment-là, lors de la Révolution? Vous avez le sentiment de peut-être vivre ce centre-ville d'âge d'or que vous ne connaissiez pas. C'est une espèce... Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi d'un Beyrouth rêvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Un Beyrouth rêvé qui revit peut-être en 2019. Oui, c'est vrai, ce centre-ville, comme vous le dites, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu, je le connais à travers ce que des gens qui sont à peine plus âgés que moi m'en racontent. Toute une génération, quelques photos. Et puis surtout, je fais souvent des parallèles entre les lieux pour essayer de comprendre. Et quand on va dans des villes comme Istanbul, comme Le Caire, comme Athènes, on voit ce qu'aurait pu être ou ce qu'a été le centre-ville de Beyrouth. Et à un moment donné, pendant ces 3 mois-là ou ces 2 mois et demi qu'a duré le cœur de la Révolution, oui, j'ai cru revivre ce Beyrouth d'avant, ou en tout cas un vrai Beyrouth, un Beyrouth vivant, un Beyrouth vibrant, un Beyrouth populaire et qui brasse, un Beyrouth qui ne divise pas, malheureusement, comme ça peut être souvent le cas. Avec l'espoir, hein, la révolution est une fête, on le sent dans ce livre à un moment donné où même vous avez envie d'y croire profondément, d'être dans cette fête-là et d'espérer un demain possible. Alors je dis ça alors que le début du livre, la toute première phrase de votre livre, Camille Amoun, est loin de dire qu'il y a un demain, ça dit simplement « demain est mort ». Et vous poursuivez en disant « la crise est telle qu'il n'est plus question de planifier l'avenir, il faut d'abord recréer le présent ». Si le livre parle effectivement de l'architecture, de l'urbanisme et de la ville, il parle aussi du temps, parce que ce livre est un livre sur le temps, sur le passé, parce qu'une ville se construit aussi sur son passé, et on sent bien que Beyrouth a bien du mal avec la mémoire et avec son passé, mais elle se construit aussi avec un futur possible. Et là, plus rien, pas de passé, parce qu'on a bien du mal on détruit d'ailleurs les immeubles qui rappellent le passé. On a même du mal aussi à raconter l'histoire de Beyrouth à l'école, ça s'arrête à un moment donné, et on a bien du mal à imaginer le futur. C'est un livre aussi sur ce temps-là, sur ce temps arrêté, où on sent que le moment de la Révolution, en octobre 2019, est un temps du présent où peut-être on va pouvoir repenser et au passé et à l'avenir. Alors oui, il y a eu une fenêtre pendant ces quelques mois où de nouveau on a eu un passé et un avenir qui s'est très vite refermé, et aujourd'hui l'état de déliquescence et d'effondrement dans lequel le pays est, nous rend très difficile de nous projeter dans un avenir au Liban, en tout cas, et le passé est de nouveau le passé. Donc on parle souvent de cette histoire qui s'arrête dans les manuels scolaires après l'indépendance. À un moment donné, on a senti qu'il y avait une histoire commune pendant cette révolution, et là de nouveau cette histoire s'est divisée et n'existe plus. Donc et on est enfermé du coup dans un présent. Alors on peut faire un parallèle avec un autre présent qui est le présent
Le présent perpétuel qui est le présent dans lequel on vivait tous avant la pandémie, où tout se passe à l'instant, la volonté d'avoir tout immédiatement, le plaisir immédiat, l'argent facile, etc. L'hyperconsommation. Et là, c'est un autre présent qui est le négatif de ce présent-là. C'est un présent vide, c'est un présent prison dans lequel on n'arrive pas à, duquel on n'arrive pas à se sortir. On n'en voit pas la sortie. Mmh. Est-ce que ce livre est un livre d'une poésie, je trouve, parce que d'écrire une ville, c'est quelque chose d'éminemment poétique, mais c'est un livre aussi politique, avec un engagement. Vous dédiez d'ailleurs ce livre à un autre homme engagé, historien, journaliste, qui rêvait de démocratie et de laïcité, qui a été malheureusement assassiné, Samir Kassir. Clairement, vous mettez dans sa lignée, vous allez dans la lignée, d'autant qu'il a aussi écrit sur la Révolution, Samir Kassir. Poétique et politique, ce livre, Camille Amoun. Oui, bien sûr, je ne pouvais le dédier à personne d'autre qu'à Samir Kassir, qui a beaucoup manqué aux gens dans la rue, ou une partie d'entre eux en tout cas, en octobre 2019. Samir, c'était le grand absent de cette révolution. Et en même temps, il était tellement là, il avait tellement prédit ça dans ses textes. Il avait été, en 2005, quand le Liban a été divisé en deux grands groupes qui se faisaient face, et où il y avait eu ce qu'on avait appelé une révolution, mais qui, pour Samir, n'en était pas une. Parce qu'à l'époque, les gens ne s'étaient pas retournés contre leur classe politique traditionnelle. Pour lui, c'était un printemps inachevé, le titre d'un de ses livres. Et ce printemps inachevé, en octobre, on a cru qu'il allait pouvoir s'accomplir un moment. Pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Mais c'est pour ça qu'il y a eu tout le débat sur comment nommer ce mouvement-là. Non, c'est une révolution. En 2005, ça n'était sans doute pas une révolution, parce qu'une révolution, c'est la population qui se rebelle contre une classe politique qui l'oppresse, contre un système et qui le change, qui le transforme fondamentalement. En 2005, ça ne s'est pas produit. En 2019... ça ne s'est pas encore produit, mais c'était la volonté qu'il y avait. C'était la volonté qu'il y avait dans la rue. C'était le rêve des gens dans la rue. C'était enfin de pouvoir transformer le système et se débarrasser d'une classe politique qui est corrompue, qui les opprime depuis quarantaine d'années maintenant. Descendre dans la rue, reprendre cet espace public, écrivez-vous, longtemps inaccessible, parce que trop cher, parce que consacré à l'automobile, parce que privatisé par des promoteurs en collusion avec les politiques. Vous notez les slogans aussi dans votre livre, je le disais tout à l'heure, Camille Amoun, alors des slogans qui se sont succédés, hein, qui ne sont pas que les slogans de 2019, mais qui, des slogans et des tags que vous décrivez aussi, mais qui finalement, presque à eux seuls, raconte une histoire de la colère ou des colères des Libanais. C'est passionnant de lire sur les murs et de lire ces slogans qui sont d'une force incroyable. Oui, les murs ont beaucoup parlé. Et d'ailleurs, quand on retourne encore aujourd'hui se promener dans le vide qui est redevenu ce centre-ville, les tags sont encore là et ils parlent et ils ont évolué pendant la révolution. Effectivement, on trouve. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on trouve des tags qui sont. Il y a une conversation qui s'est produite sur les murs. Des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux, qui ont discuté entre eux par mur interposé à des moments différents, mais qui étaient là pour les mêmes raisons. Mmh. En gros, et pour résumer, se débarrasser de la classe corrompue et de la corruption. On peut prendre un exemple, c'est sur le mur de la cathédrale ou de la mosquée. On peut voir une tache blanche qui est venue cacher un tag
Donc, c'est probablement des gens qui ne voulaient pas qu'on tague un mur qu'ils considèrent sacré. Puis, quelqu'un a tagué sur la tache blanche, ce mur est un mur comme les autres. Donc, on peut s'exprimer sur tous les murs et ils veulent désacraliser, sans nécessairement blasphémer, mais désacraliser les murs de la ville, et cela en particulier. Et puis, de nouveau, quelqu'un d'autre a rajouté « ne pas, ce mur n'est pas un mur comme les autres » au-dessus du tag, sans effacer la première phrase. Donc, les phrases cohabitent et c'est ce qui a fait la beauté et la force de cette révolution. C'est que bien que les gens ne soient pas d'accord, ils étaient là et ils se battaient pour, ils se battaient pour une cause qui les a réunis. Et ça, c'est rare au Liban parce que les débats sont très souvent très clivants et pour plusieurs raisons. La révolution avait de ça aussi dans le changement, c'est qu'elle n'était plus une révolution avec des communautés qui étaient les unes contre les autres ou des classes qui étaient les unes contre les autres. Et vous le disiez, c'est que tous les gens étaient contre le gouvernement. Et ça a beaucoup changé. C'est quelque chose d'horizontal, dites-vous, dans cette révolution d'octobre 2019. Oui, pour la première fois horizontale et pour la première fois aussi dans toutes les régions du Liban. Les révolutions ou les grandes manifestations précédentes avaient lieu à Beyrouth, dans la capitale. Là, ça s'est vraiment produit partout, sans exception, dans toutes les parties du Liban les plus insoupçonnées. Et effectivement, c'était aussi une force de ce mouvement-là, de cette révolution-là. Et c'est ça aussi qui nous a donné espoir. On s'est dit, ça y est, c'est comme je le dis aussi, mais on se l'est tous dit, c'est la bonne, cette fois c'est la bonne. Cette fois, on va y arriver. Le vent serait-il en train de tourner? C'est la devise de Beyrouth, c'est ça, cette phrase? Le vent serait-il en train de tourner? C'est quoi la devise de Beyrouth? La devise de Beyrouth, c'est Beyrouth, mère des lois, parce qu'elle a hébergé l'école de droit romain. Et donc, c'est Beyrouth, mère des lois. Et elles sont malheureusement aujourd'hui bafouées en permanence. Mais la devise de Beyrouth, c'est oui, Beyrouth, mère des lois. Mère des lois. Camille et Moun, vous l'avez dit, hein, c'est effectivement, il y a eu ce moment où on y a cru, où la révolution, comme vous le dites, est une fête. Mais très vite, finalement, ça s'est... non pas effondré, mais ça a été quelque chose, une chute, une déception. La révolution s'est arrêtée en cours de route. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je le disais plus tôt, la classe politique libanaise a plein de ressources et elle les utilise de manière extrêmement intelligente contre la population ou même pour lever une partie de la population contre une autre. Et c'est très efficace. Ça marche. Et puis, il y a aussi le spectre de la violence, de la guerre civile. Donc, évidemment, je le dis aussi, la peur était tombée. On sait qu'on ne va plus revenir à 75. Mais malgré ça, à certains moments, ils ont réussi à remonter les gens les uns contre les autres. Ça n'a pas complètement marché, mais ça, c'est une des raisons qui a conduit à un début d'essoufflement de la révolution, une d'entre elles seulement. Et puis la crise sanitaire est arrivée derrière ça. La crise sanitaire, c'était un peu la cerise sur le gâteau, ça n'a pas aidé, mais la révolution commençait, ou en tout cas son côté populaire commençait à s'essouffler. Maintenant, il se passe plein de choses en dehors des rues. Il y a toute une opposition extra-parlementaire qui est en train de se former, qui est en train de se constituer et qui, je l'espère, aura l'intelligence et la sagesse de pouvoir se constituer en réelle alternative à la classe politique actuelle. Le temps, c'est la mémoire aussi, parce que ce livre, je le disais, parle du temps, du passé, d'un futur possible ou impossible, c'est cette grande question. Et la mémoire, c'est la commémoration, les commémorations, qu'a bien du mal aussi à faire le Liban, un pays amnésique, écrivez-vous, qui ne compte toujours pas de mémorial de la guerre civile, entre autres choses.
Est-ce qu'un livre, pour vous, Camille Hamoun, est là aussi pour prendre date et je dis bien prendre date, comme pour citer aussi le livre de Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron, un livre qu'ils ont écrit juste après les attentats de Paris. Et dans les préfaces, ils écrivaient on n'écrit pas pour autre chose que nommer et dater, cerner le temps, ralentir l'oubli. N'est-ce pas aussi ce que vous faites avec ce livre-là? Nommer, dater, cerner le temps quand vous observez la ville et que vous décrivez aussi et que vous parlez des lieux qui ont été aussi importants et ralentir cet oubli. Ralentir l'oubli, bien sûr, et surtout, surtout fixer, et ça vaut aussi pour la ville physique, fixer ce qui est en train de disparaître. Et ce n'est pas sans mélancolie ou sans une certaine tristesse qu'on écrit ça ou qu'on capte ces moments ou ces objets urbains, surtout dans une ville aussi... Je suis tenté de dire fragile que Beyrouth, qui est en train de perdre sa substance progressivement et depuis longtemps pour des raisons de capitalisme immobilier, de corruption, etc. Oui, certainement, mais c'est pas une écriture joyeuse, celle-là. Il y a une écriture joyeuse et elle est là, elle existe. Mais cette écriture-là qui essaye de fixer effectivement ce qui disparaît, une bâtisse, un tissu urbain, un moment révolutionnaire, c'est pas une écriture joyeuse. La ville fragile, encore plus fragile depuis l'explosion du 4 août 2020, après la chute, c'est l'effondrement, comme vous l'écrivez aussi en postface, hein, puisque le livre, vous l'avez écrit et fini avant, mais vous avez écrit cette postface parce que est arrivée cette catastrophe et qui signe un effondrement total d'une grosse partie de cette ville. Est-ce que ça a encore plus fragilisé Beyrouth? Bien sûr, c'était un peu un coup de grâce, cette explosion. Mais l'effondrement précède l'explosion. C'est un processus long qui a commencé il y a longtemps. Et il a abouti, en fait, c'est l'incurie et la corruption de la classe politique libanaise qui a abouti à cette explosion. C'est le résultat, elle est le résultat de cette corruption. Elle ne vient pas de nulle part, ce n'est pas un accident, cette explosion. Et oui, effondrement plutôt que crise, d'une crise, on se remet, c'est un moment, une crise. Un effondrement, c'est un processus de décomposition long dont on ne se remet pas nécessairement et surtout après lequel il faut reconstruire quelque chose de nouveau. Mais on n'en est pas encore là. Mmh. Qu'est-ce qu'un roman peut prendre en charge, Camille Hamoun? Est-ce qu'il peut prendre en charge, justement, vous disiez, c'est quelque chose de très mélancolique. Je suis là aussi pour fixer les choses. Un roman, ça fixe. Un récit, ça fixe les choses. Mais qu'est-ce qu'il prend en charge? Est-ce qu'il prend en charge les vies, la vie? Est-ce qu'il prend en charge le réel? Ça dépend quel roman. Mais là, oui, on est en plein dans le réel. On est en plein. Ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas journaliste, je n'ai jamais écrit d'article journalistique. Donc, à aucun moment, je n'ai voulu écrire un ouvrage journalistique. C'est une expérience subjective et je revendique la subjectivité de cette expérience. Il y a un narrateur qui marche dans une rue et qui la parcourt et qui se laisse digresser.
autour d'un sujet particulier, mais qui digresse. Et qu'est-ce qu'un texte comme celui-là prend en charge? C'est difficile de répondre à cette question, mais après, c'est au niveau personnel, c'est tous les sentiments conflictuels que j'ai ressentis en l'écrivant et que je ressens chaque fois que j'y pense. Et puis, il y a aussi l'esthétique du texte qui aide aussi à fixer ces histoires qui sont évanescentes dans quelque chose, dans un objet fermé. Et d'ailleurs, qui a un début et une fin et qu'on peut tenir dans ses mains. Ce que j'essaye de faire, et je réalise ça après coup dans tout ce que j'écris, c'est d'avoir quelque chose de cerné, comme cette rue d'ailleurs, qui a un début et une fin, comme ce livre qui est borné aussi, donc à part par ces deux lieux, la décharge et le siège du gouvernement, mais aussi par deux dates, le 17 octobre, le début de la révolution, une explosion populaire, et le 4 août, l'explosion du port de Beyrouth. Il est borné par ces deux dates. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut tenir, qu'on peut voir et qui nous permet de rentrer et peut-être aussi de digresser en le tenant, en le lisant, en le regardant. Mais comme tous ces objets qu'il essaie de décrire, comme la rue et comme cette période du 17 octobre 2019 au 4 août 2020. Dans votre premier roman, Ougarit, ce livre commence aussi par une révolution, commence aussi par l'histoire d'une révolution, c'est la révolution tunisienne, où vous parlez tout de suite de la mémoire de Mohamed Bouazizi qui est mort après s'être immolé en 2011, et cette mort a déclenché cette révolution tunisienne et par extension ce qu'on appelle le printemps arabe. Hein. Vous commencez, Ougarit, avec ça. Il y a quelque chose dans cette question justement de révolution et de s'emparer des villes, d'autant qu'Ougarit, c'est aussi l'histoire d'un urbanologue, on va dire que c'est la contraction entre un urbaniste et un sociologue, hein, qui est contacté par Dubaï pour essayer de peut-être réfléchir à retrouver, à donner une âme à la ville. Vous creusez le même sillon, Camille Amoun, cette question de l'âme des villes et de comment les gens, le citoyen, s'empare de sa propre ville et des villes en général et tout de même dans cette géographie particulière. Alors, vous m'avez, au début de votre question, vous m'avez attiré l'attention sur quelque chose que je n'avais pas remarqué. Ou que j'avais oublié, c'est qu'effectivement le personnage principal du roman Ougarit est alépin et syrien, et ça commence sur l'immolation par le feu de Bouazizi qui a déclenché les printemps arabes, et ça commence aussi avec une grande amertume de l'échec de la révolution syrienne, l'espoir du début de la révolution en Tunisie et l'horreur de son échec en Syrie. Ça commence sur ça et ça fait écho un peu à ce qu'on disait avant sur l'espoir d'octobre et l'horreur d'août. Et ça parle aussi de la fragilité des villes, parce que votre personnage s'appelle tout de même Ougarit, qui est quand même le nom d'une ancienne cité du Proche-Orient. Et c'est très... C'est étrange aussi de lui donner, alors c'est peut-être moi et ma méconnaissance, mais il porte le nom d'une cité, une cité retrouvée, mais une cité perdue aussi, Ougarit. Oui, une cité antique. Alors oui, la fragilité des villes, c'est vrai qu'on a l'impression que les villes sont éternelles, que leur âme est inscrite dans leur pierre et dans les gens qui les habitent. Mais les villes ne sont pas aussi
Ce sont des êtres aussi qui peuvent disparaître, qui peuvent mourir, qui peuvent perdre leur âme. Le clin d'œil du roman Ougarit, c'est que le gouvernement de la ville appelle cet urbanologue pour trouver l'âme de Dubaï. Ils lui disent, on a juxtaposé tous les objets urbains nécessaires à la construction d'une ville, des immeubles, des bâtiments, des routes, des gens, des entreprises, des diversités, etc. On a tout d'une ville. Tous les objets sont là, mais ils ne font pas ville. Qu'est-ce qu'il manque à cet objet ou à cette juxtaposition d'objets, parce que ce n'est pas encore un objet, pour devenir une ville. Et donc, Ougarit donc arrive à Dubaï et essaye de trouver le sens, ou essaye de trouver l'âme, ou essaye de cette ville. Et pour revenir à la fragilité des villes et au fait qu'elles peuvent perdre leur âme, le centre-ville de Beyrouth, c'est l'exemple parfait d'une ville, ou en tout cas d'une partie d'une ville qui avait une âme très riche, et qui l'a complètement perdu aujourd'hui. Un autre exemple d'une ville entière, quand on pense à Venise, ville marchande, multiculturelle, aujourd'hui, même si elle reste esthétiquement éblouissante, Venise a perdu son âme aujourd'hui. Ce n'est plus une ville marchande, c'est devenu un parc d'attractions. Donc oui, les villes peuvent perdre leur âme. Et ce processus-là, on le retrouve à différents niveaux dans toutes les villes du monde, avec l'expulsion des classes populaires des centres-villes ou même des villes entières à cause des prix de l'immobilier, la muséification des centres-villes, etc., la gentrification. Donc, tous ces processus-là font, d'une certaine manière, perdre une partie de leur âme aux villes aujourd'hui. Votre personnage, Ougarit, est en exil depuis très longtemps, depuis très jeune. Je le disais au départ, vous avez aussi, été d'une certaine manière en exil, un exil choisi, hein, mais vous avez quitté le Liban pour Paris, puis pour Dubaï, pour revenir. Est-ce qu'il a fallu justement quitter sa ville pour pouvoir réfléchir sur l'âme des villes? Est-ce que l'exil a quelque chose aussi à voir dans cette réflexion que vous avez dans ces deux romans, dans ce roman et ce récit, Camille Amouli? Le mot exil est un mot très dur. Je ne pense pas avoir été un exilé, sauf à un moment très particulier. Donc, je suis parti à Paris pour des raisons professionnelles ou universitaires, à Dubaï pour des raisons professionnelles. Donc, je n'ai pas été vraiment exilé, j'ai été plutôt expatrié. Par contre, pendant le mois qu'a duré la guerre de 2006 au Liban, j'étais déjà aux Émirats, et où il m'était impossible de revenir au Liban, pendant ce mois-là, oui, j'ai été en exil. Mais tout le reste du temps, j'étais un expatrié. Maintenant, est-ce que l'exil ou l'expatriation me permet de réfléchir à l'âme des villes? Je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est en fait d'être dans un lieu qui me permet d'écrire ce lieu et de vouloir en faire un livre, que ce soit un roman, un court texte ou même une phrase ou un récit. Le Ougarit, c'est un livre que je mûris depuis très longtemps, depuis presque l'adolescence, à travers mes lectures ou mes centres d'intérêt. Et ce n'est qu'en 2013 que j'ai décidé, alors que je me trouvais à Dubaï, de transformer ces textes, ces parts, ces idées en roman, et que j'ai décidé de l'écrire de bout en bout en commençant par le début. Il se trouve que je me trouvais à Dubaï, et donc j'ai utilisé mon matériau qui était Dubaï. Si j'avais été ailleurs, j'aurais écrit un autre livre sur le lieu où j'aurais été. Donc non, au contraire, en fait, l'exil ou l'expatriation, ou en tout cas être dans un lieu, me fait rentrer dans ce lieu à travers l'écriture beaucoup plus que la vie quotidienne ou ordinaire. Ça rend un lieu, quel qu'il soit, un peu extraordinaire, le fait de vouloir l'écrire, et ça me permet de me l'approprier aussi et d'y être totalement. Ce petit livre sur Beyrouth, Octobre Liban, je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire, en tout cas pas de la même manière, si je n'avais pas été à Beyrouth. J'aurais probablement eu envie d'écrire quelque chose sur la Révolution, je ne sais pas ce qu'il en serait sorti.
Octobre Liban est clairement aussi le livre d'une défaite, hein, aussi, et de la faillite d'un système, hein, qui, comme vous l'écrivez, a fini par se dévorer lui-même. On ne peut que se poser la question du demain, puisque ça commence par ça, votre livre, sur la question de demain. Et forcément, aujourd'hui, c'est cette question-là. Est-ce qu'une révolution est encore possible? On a d'ailleurs une remarque sur Facebook où on se pose où Samy dit triste la fin d'octobre Liban, printemps 2022 serait-il le bon cette fois-ci? C'est forcément les questions qu'on peut se poser. À quoi ressemblera demain? Faut-il une autre révolution? Est-il encore possible une autre révolution au Liban? Moi, je pense que la révolution est toujours possible. Il y a toujours de l'espoir pour que des gens ou un peuple qui est à ce point, disons, détruit ou opprimé, je ne veux pas dire tout à fait opprimé, ce n'est pas vraiment le mot, mais dans un système qui le dénigre tellement, il y a la révolution est toujours possible. Malheureusement, la question, c'est combien de temps ça va prendre. Il y a des pays où ça a pris un siècle, une génération, deux générations, avant d'arriver à quelque chose qui puisse ressembler à une démocratie, à une vraie démocratie. Combien de temps ça prendra, je ne sais pas, mais la révolution, elle est toujours possible. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle ne s'est pas arrêtée. Ça continue, on continue de travailler. Devrait, si tout va bien, y avoir des élections en 2022, des élections législatives. Les obstacles sont immenses pour ces groupes, cette opposition extra-parlementaire dont je vous parlais. Ils sont immenses, ils sont de deux ordres. D'abord, ils font face à une classe politique qui a énormément de ressources et qui maîtrise le processus électoral. Et ensuite, ils font face à leurs divisions. Et leurs divisions sont saines. Leurs divisions sont saines parce que du jour où on exclut la démocratie du Parlement, la démocratie dans toute sa diversité se retrouve dans la rue et dans ses organisations. Donc, c'est tout à fait normal que ces organisations-là soient extrêmement diverses. Mais c'est aussi un défi pour elles, cette diversité, de pouvoir créer une plateforme commune avec des objectifs communs pour pouvoir remporter une première victoire électorale. Donc oui, les obstacles sont immenses, qu'ils soient extérieurs à cette opposition extra-parlementaire ou inhérents à sa structure elle-même. Mais moi, je veux y croire et malheureusement, la question c'est combien de temps cela prendra-t-il ? Encore le temps en question. Ce livre est très fort et notamment dans ce que vous dites et dénoncez d'ailleurs sur, et on l'a dit, sur la corruption, entre autres choses, mais c'est aussi un livre d'amour pour un pays et pour une ville qui est Beyrouth aussi. Je l'ai lu comme ça aussi parce que je pense qu'on ne peut pas faire un brûlot politique comme celui-ci et être tellement engagé dans ses émotions aussi entre colère et passion sans aimer profondément la ville dont il est question. C'est aussi ça que vous faites, c'est montrer aussi la beauté de Beyrouth. Bien sûr, Beyrouth est une ville qui surprend à plusieurs égards, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré les cicatrices. Et là, on peut parler de résilience ou de résilience urbaine, si vous voulez, mais la résilience mythique de Beyrouth, moi, je ne pense pas qu'elle existe ou qu'elle n'existe plus, en tout cas, parce que si la résilience c'est urbaine, en tout cas, c'est maintenir une continuité urbaine sur un territoire, la continuité urbaine a été coupée. Le centre-ville en est la preuve vivante, l'explosion aussi, la fatigue. Des gens, la douleur des gens. Et on ne peut pas dire non plus qu'on commence un travail de résilience quand on est encore victime des personnes qui sont en train de nous abuser de manière quotidienne, d'abuser de nous de manière quotidienne. Donc Beyrouth est en souffrance et effectivement, évidemment, j'aime cette ville et c'est ce qui augmente et c'est ce qui, ma frustration, ma colère, ma tristesse, et à nous tous ici à Beyrouth, c'est une ville
vraiment surprenante, mais aujourd'hui, c'est une ville fatiguée, c'est une ville blessée, c'est une ville à genoux, c'est un pays à genoux, d'ailleurs, pas que Beyrouth, l'ensemble du Liban. Et c'est cette frustration-là que j'ai essayé de sortir de moi dans ce texte. Un texte très fort avec une question, est-ce que demain ce sera la naissance d'un peuple ou bien la mort d'un pays, parce que c'est aussi une des questions qu'on peut se poser aussi. Un très court texte, un livre rouge de colère aussi, Octobre Liban, Camille Amoun, aux éditions Inculte. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite aussi de venir nous voir pour en parler ici en France. Et je rappelle aussi Cougarit, votre premier livre a paru lui aussi aux éditions Inculte et on le trouve encore. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sarah.